D'inspiration locale, chaque hôtel Mercure a sa personnalité et ses secrets. Suivez le guide. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Bonjour François, ça va très très bien. Tu as trouvé facilement? Bah ouais, complètement. Quand on arrive ici, on se sent très très bien. Et puis, quelle bâtisse également? Ah, c'est une bâtisse qui est juste magnifique, qui a eu mille et une vies. École de garçons, pensionnat de jeunes filles, hôpital pendant la guerre, colonie de vacances. Et maintenant, Mercure Corrèze. Ça doit être un lieu très ressourçant, je le sens comme ça. Ah oui, mais t'as tout à fait raison. D'ailleurs, on a une piscine qui est découverte mais chauffée. D'accord. Et puis on a la terrasse. Ah oui, sublime terrasse. On a une vue qui est juste magnifique sur la ville de Corrèze et le début du massif des Monédières. Ça doit être un plaisir de prendre son petit déjeuner ici le matin au soleil. Ah mais les clients adorent, c'est un moment zen. Le bonheur. La seigneurie accueille également des clients spécifiques. On reçoit des clubs de voitures anciennes parce qu'on a des circuits qui sont dédiés sur la Corrèze. Ouais. Et en plus, on a un garage fermé. Donc pour des collectionneurs, c'est super important. Et alors l'hôtel est l'un des plus petits Mercure de France avec une toute petite équipe, c'est ce qui permet un accueil sur mesure et aux petits soins. On est une petite équipe en fait qui est polyvalente et très proche des clients. Et d'ailleurs, le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, c'est de nous dire qu'ils ont l'impression d'être dans une chambre d'hôte. Sympa. Ah oui, vraiment. 3, 2, 1... La seigneurie. Les hôtels Mercure vous attendent dans plus de 180 destinations en France pour vous révéler leurs secrets.